Des chasseurs alpins de l'armée française vont à la charge dans la neige. Ils sont reconnaissables à leurs vareuses en drap bleu épais, aux bandes molletières qui enserrent leurs chevilles, mais aussi à leurs paires de skis et leur couvre-chef, appelé la tarte, qui remplace le béret de l'infanterie. Cette construction est issue de la série de guerre imprimée à Épinal pendant la Première Guerre mondiale. L'enfant découpait avec application chaque face de personnage ou d'objet, les contrecollait et en recourbait les extrémités pour les monter. Quelques instructions supplémentaires le guidaient pour donner à la scène plus de vraisemblance. Ainsi, il était conseillé d'utiliser un plan incliné et d'écarter légèrement les jambes des figurines de papier pour faire glisser cette armée à ski. Cette planche rappelle les combats de l'Hartmannswillerkopf dans les Vosges, auxquels les chasseurs alpins prirent part hardiment dès décembre 1914. Connus pour leur courage, ces soldats montagnards étaient d'ailleurs qualifiés par l'état-major allemand de Schwarzen Teufel, les diables noirs. Mais les chasseurs préféraient le surnom de diables bleus, de la couleur de leur tenue.